je peux calmer l'état. Si, écoute-moi. Je ne veux pas. Mais chérie, tu ne calcules pas depuis qu'il est arrivé, ça ne peut pas durer. T'as raison. Demande-lui d'aller vivre au fond du jardin, comme ça moi je ne vais pas le croiser. Puis comme ça, je pourrais lui bloquer l'accès à cette maison et je serais sûre qu'il ne verra rien. Parce que c'est quand même un parfait inconnu. Hein. Ça se trouve, il est exprès pour prendre l'héritage. Tu vas pas me faire croire qu'un mail parole lui suffisait plus et que d'un coup, monsieur a envie de me parler ou qu'il ait pitié de moi. Tu veux pas lui parler, mon pauvre? Non, mais j'aime pas. J'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie de voir sa gueule, en fait, tu vois. J'ai juste envie de construire un mur entre cette maison et la cabane au fond de foot. Tu veux lui parler? Mais j'ai pas de raison de lui parler. C'est ton père. Justement. Attends, ça me donne une idée. Disons qu'il s'attache à moi. Et au moment où il a le plus besoin de moi, paf, je l'abandonne, comme il a pu le faire lui-même. C'est nul comme plan. Donc si je me plante, t'auras pour lui de me prendre dans tes bras. Finalement réussi à la calmer. Ouais. Elle tarde beaucoup. Oui. C'est assez mérité, je pense. Qu'est-ce que vous avez reçu, Claude? Pourquoi t'es disparu comme ça, t'as dit? Tu l'aimais, non? Et toi, tu l'aimes? Moi, j'étais beaucoup trop. Beaucoup trop jeune pour devoir être une adulte. Et moi, beaucoup trop perdu pour en être un. C'était pour la protéger alors? Ou pour se protéger de son regard? Je pense que c'était pour qu'elle puisse vivre. Et toi, t'as vécu? Je m'y essaye, doucement. T'aurais mieux fait d'attendre d'aller mieux avant de revenir. Quitte à ce que ça prenne des années, pour pas la détruire. Là, ta venue lui a fait plus de mal que de bien. Elle vient de perdre sa grand-mère, elle a pas la force de gérer ça pour le moment. Et si je peux pas aller vraiment mieux? Alors t'aurais mieux fait de rester loin d'elle. Tu te sens pas trop seule? Et toi? Moi? Tu viens de perdre ta mère en fait. Ça va. Tu veux pas sortir un peu? Non, ça va. Pour aller au cinéma? On n'aime pas les mêmes choses, je pense. Je pensais que c'était choisir le film en fait. Ben, je finis ce que je fais alors. Ok. Ben, je serai dans ma chambre. Tu vas me chercher quand t'es prêt? Claude? Il est minuit passé. T'es sûr? Bah, je dormais en fait, donc oui. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié ton petit côté Cendrillon. C'est pas grave, Claude, on ira demain. Bonne nuit. Quand on y pense, je ressemble un peu à Dark Vador. Tu te bats souvent avec un sabre laser? Non, c'est son côté. Il disparaît, réapparaît d'un coup en disant je suis ton père. Oui, effectivement, vu comme ça, c'est pas trop mal. Tu sais qu'on allait voir le 7, là, Dark Vador, il est pas dedans. J'ai dû m'endormir. Je confirme, tu ronflais.
J'ai vu que t'avais pas utilisé la salle de bain du bas depuis que t'étais là. Oui, celle du haut me va très bien. T'es sûr? Une douche ou baignoire, peu importe. Claude, y a pas d'eau chaude dans la salle de bain du haut. T'es sûr? Bah, ça fait 20 ans que je vis là en fait, donc oui. Bon, bah, j'ai réutilisé la salle de bain du bas alors. Claude? On sort un peu? Lucie? Il est même pas midi. Tu me fais une blague là? Tu veux pas sortir un peu? Si, mais. Tu sais, je suis comme les vampires, moi. Je dors le jour. Allez, Claude, on sort. Je t'attends en bas! Très envie. Plus tard, peut-être. Ça fait des jours que tu me dis ça. Imad revient demain. Déjà? Il est ici comme chez lui. Oui, oui. Tu fais quoi? En fait, je te vois toujours derrière ton ordi, mais je sais pas ce que tu fais. Du rangement. Tu sais que j'ai plus vu le dos de ton ordinateur que tes yeux cette semaine. Sans doute. Et tu ranges quoi? Des photographies. Toute la journée. Durant des jours. Oui. Et c'est tout. C'est tout. Et je joue un peu aussi des fois. Donc tu veux pas sortir un peu? On pourrait aller choper un bon repas pour demain. Plus tard, peut-être. Peut-être. Oui. Alors, cette semaine? Je suis perdue, Imad. Comment ça? Il t'a pas laissé parler? Disons qu'il sait pas qu'il y a pas d'eau chaude dans la salle de bain du haut. Et? Il dort pas de la nuit. Je vois pas le lien. Mais merde, je te parle de son état. Non, mais je sais, moi, mais tu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'avais dit que ton plan était foireux. Comme si toi, t'étais capable de détester qui que ce soit. Mais je le déteste. Et si on faisait un resto pour le retour d'Imad? Un japonais, je vous invite. Ouais, il va. Super idée, Claude, merci. Moi, faut que je passe un coup de fil avant, mais on peut y aller dans une heure. Ça vous va, les gars? Aller où? Bah, au japonais. Ah non, mais je comptais commander, moi. Mais tu veux pas sortir un peu? Non, je suis déjà sorti tout à l'heure. Ouvrez le portail. Eh, c'est bon, c'est pas grave, ma chérie, on a qu'à commander. Faut qu'on parle. T'as quoi? Je peux pas quitter cette maison. Ah. Mais je veux quand même vivre avec toi. Hein? Je peux pas abandonner Claude. S'il te plaît, comprends-moi. Je comprends. Il a eu réussi avec moi. Même il voulait pas, mais maintenant qu'elle est plus là. Et t'en penses quoi? J'en pense que c'est complètement con. Parce que tu sais pas s'il va disparaître à nouveau. Vous savez que je vous entends? T'étais là? Il déplace jamais vraiment, tu sais. Sorry Claude, je m'inquiète juste pour Lucie.
Lucie sait ce qu'elle fait, merci. Non, pas. Il faut qu'on rentre cette maison. Non. T'as entendu ce que j'ai dit à Imad? Il n'est pas question qu'on quitte cette maison. On perd pas un type pareil pour un père comme moi. À vous voir tous les deux, j'ai bien compris que je pourrais jamais te rendre aussi heureuse que lui peut le faire. Avec l'argent des maisons, vous pourrez vous prendre quelque chose tous les deux. Mais toi? J'ai survécu 20 ans tout seul. T'inquiète, je me débrouillerai. Mais t'es plus seule, tu sais. T'es pas ma fille pour rien. Tu le penses vraiment? Pourquoi t'es partie? Pourquoi tu m'as laissée toute seule ici? Bon, vos affaires sont prêtes? Oui, monsieur. Mais on a le temps. Les déménageurs arrivent que dans une heure. Bon, je rejoindrai dès que j'aurai rencontré les acheteurs. Tu vas t'en sortir? Hey, t'as vu mon visage tous les jours de la semaine? Il a même fait une touche en poids. Tu veux pas sortir un peu, papa? Non, on n'a plus le temps. Au revoir, mon trésor. Camarade.